J'aime beaucoup rire. Et ceux qui me connaissent bien savent que j'aime l'humour, mais que j'apprécie surtout quand il est lourd. Parce qu'au fond, malgré tout ce que l'actualité peut essayer de nous faire croire, malgré tout ce que les êtres humains cherchent à nous faire gober chaque jour, je pense profondément que le meilleur des remèdes face à notre déchéance, et au fait que nous soyons persuadés que nous allons rapidement et subitement mourir d'un seul coup sous une pluie de missiles nucléaires, rien que par le fait de le dire d'ailleurs, eh ben c'est de rire. Et par ce rire, nous sauverons du mieux que l'on peut l'être humain. Et même encore mieux, nous arriverons à faire en sorte de donner peut-être le sourire à ceux qui sont persuadés qu'ils vont nous exterminer. Et donc, à peut-être leur faire prendre conscience que les choses ne vont pas si mal que cela, et que dans ce cas, il n'y a pas besoin de s'en faire, et de vouloir appuyer sur cet énorme bouton rouge qui pourrait donner lieu à quelque chose qui, pour le coup, ne serait vraiment pas drôle du tout, et même pire, nous ferait tirer une tête de 6 pieds de long, je pense. C'est pour cela, et mille et une autres raisons, que j'aime l'humour, que je l'adore même, et que je passe mon temps, à amuser les autres. Je sais, en vidéo, je ne sonne pas forcément comme un mec drôle, mais en cinéma, j'adore rire. J'adore la comédie, et c'est peut-être un des genres avec lesquels je suis le plus exigeant, car une bonne comédie ne consiste pas simplement à un enchaînement de petits morceaux de bravoure comique, mais en une science profonde et juste de comment le spectateur doit et se doit de rire face à un tout qui pourrait sonner comme simple, voire même comme simpliste, mais qui ne se doit pas pour autant de l'être, et surtout de l'être par obligation. Car l'humour, chez moi en tout cas, se devra toujours d'être sacré, et que même dans la comédie la plus ringarde du monde, il le sera à mes yeux. C'est peut-être pour cela que j'ai du mal avec beaucoup de comédies. Et pas que des comédies françaises d'ailleurs. Les Américains aussi ont leur lot de comédies vaseuses et lourdes. Et c'est pour cela aussi que j'ai toujours aimé essayer de cerner l'idée de concevoir justement et délicatement une comédie. Cette idée que l'on puisse développer tout un univers qui sonne comme d'une logique imparable et profonde dans la tête du spectateur. Cette idée que les actions même idiotes d'un personnage l'amènent forcément à développer une certaine forme d'ambition comique et de justesse d'exécution d'un geste qui nous plonge dans une hilarité qui ne sonne pas comme forcée, mais comme extrêmement logique et essentielle à notre immersion, soit finalement un bon gros fou rire. Et c'est pour moi cela, une bonne comédie. Une comédie qui sait prendre le spectateur, qui sait l'emmener dans la bonne direction et qui sait surtout le faire rire de la bonne manière. Lorsque je pense comédie pour moi, il y a un homme qui a su me faire rire, mais également me faire pleurer et me toucher, avec finalement aucun mot. Mais une chanson peut-être. Et cet homme, c'est le roi de la comédie muette. C'est le grand, le majestueux Charlie Chaplin. Mais surtout, un de ses plus grands films, Les Temps modernes. Pour moi, il y a toute l'essence de son cinéma dans ce long métrage qui, pour l'époque, fut une sacrée prise de risque, car il s'agit d'un film muet réalisé à l'époque où le parlant était en plein essor. Mais pour Chaplin, ce n'était pas cela faire rire les spectateurs. Et c'est ainsi qu'il développa ce grand et majestueux moment de cinéma qui reste encore pour moi à ce jour l'un des plus grands films que j'ai vu de ma vie. Mais surtout, l'une des plus justes et intenses comédies qui soit. Le rire est spontané, mais également lent, suave, il prend son temps sans jamais demander au spectateur d'aller plus vite que l'éclair. Et c'est cela qui rend cette comédie particulièrement inventive et juste et qui fait surtout que l'on s'attache aussi facilement à son personnage, mais également à cette jeune femme qui partage sa vie ici. Et en cela, ce film est brillant et drôle, voire extrêmement drôle. Je pense profondément qu'on n'a pas forcément besoin de parler pour faire rire. Et qu'au cinéma, ce n'est que lorsque les dialogues sont apparus que l'on est passé à une nouvelle forme de comédie et que tout cela a changé finalement. Et dans le genre du dialogue, je ne peux m'empêcher de penser forcément à la vague comique française du milieu des années 60 et de la fin de celle-ci. Une vague qui a souhaité faire du dialogue quelque chose d'essentiel et donc a choisi de construire une comédie burlesque mais également verbeuse et pointue dans sa répartition des dialogues. Audiard et Lautner étaient les plus grands dans ce genre et Le Pacha reste pour moi encore à ce jour l'un des films les mieux écrits de la comédie française des années 60, même si dans le genre on le catalogue comme un thriller. Avec en plus un Jean Gabin qui parvient totalement à inscrire cela dans le genre, et même si on a plutôt tendance à inscrire ce film donc dans le genre du polar et du thriller, pour moi, il s'agit d'une pure comédie de dialogue, un grand moment parvenant à la fois à être drôle, mais également très crédible, dès qu'il s'agit de construire et de développer une succession d'actions noires et violentes. Pour moi, le long métrage de Lautner tient le coup dans son aspect comique par le biais d'une construction de punchline tout simplement magnifique et rare, qui nous explose en deux, tant on sent qu'elles ont été conçues pour être explosives et totalement allumées. Comme quoi, la comédie n'a pas qu'une seule forme. Elle sait évoluer, se métamorphoser en fonction de l'époque et faire preuve parfois d'un petit peu d'audace. Chez les Anglais, l'humour est une chose encore plus subtile, encore plus délicate,
c'est quelque chose de profondément complexe à aborder des fois, tellement certains y sont réfractaires et ne supportent pas de regarder une comédie à l'anglaise par peur de ne pas réussir à saisir toute la subtilité de celle-ci. Mais pour moi, il y a une comédie, que l'on soit subtil ou non, qui marche sur tout le monde, et surtout sur moi. C'est Sacré Graal des Monty Python. Une comédie tout simplement extraordinaire. Une parodie folle et jouissive du film de Chevalier et de Capet-d'Épée, mais également d'un fantastique travail de créativité qui, à lui seul, mériterait presque d'être salué, tant on sent que toute cette bande avait envie de mettre en relief une comédie qui aurait pu être limitée, mais qui transforme ses limitations en un atout rare. Le film devient un pur délire, tellement juste et inventif que la Sainte Grenade est devenue une arme sur le jeu Worms. C'est dire à quel point pour moi ce film fait preuve d'une inventivité comique tout simplement géniale à chaque seconde de son avancée et de son évolution. Et rien que pour cela, j'adore regarder encore et encore ce morceau de comédie pure et dure qui, sans son dénouement, est tout simplement extraordinaire de justesse et procure chez moi une hilarité spontanée. Je pense profondément qu'au cinéma, la comédie est le genre que j'approuve le plus et dans lequel je me reconnais le plus, tout simplement parce que peu importe le pays, peu importe le ton, peu importe la manière avec laquelle on amène cet humour, bah je me reconnais dedans. Une des plus grandes comédies que je connaisse, de mon côté, reste l'exceptionnel The Mask de Charles Russell. Un immense objet de fascination pour moi, puisqu'encore à ce jour, il s'agit sans le moindre doute d'un des longs métrages que j'ai le plus regardé. Car pour moi, il y a tout ce que j'aime voir dans une comédie réunie en un seul film. Le long métrage est un pur hommage au cinéma comique muet, cherchant le plus possible à user du visuel avant de se servir des dialogues et de ce qui fait l'essence d'un cinéma moderne comique. Mais surtout, le long métrage est un grand et puissant hommage aux cartoons que je regardais beaucoup sur Cartoon Network et qui encore aujourd'hui me font mourir de rire. Car oui, même à 27 ans, je reste facile à faire rire. Mais surtout, bien au-delà de son aspect graphique révolutionnaire pour l'époque, ce qui me scotche encore et toujours quand j'y réfléchis, c'est l'investissement physique que Jim Carrey a mis dans la création de ce personnage et à quel point, derrière cet énorme masque en latex, il est capable de transmettre des émotions en faisant des caisses, mais jamais en abusant du surjeu qui pourrait le plomber et le caricaturer. Bref, en faisant de cette œuvre un immense objet hilarant et parfait de bout en bout dans le genre à mes yeux. Comme quoi, parfois, faire remonter un tout petit peu d'enfance, eh ben ça fait d'une comédie pas quelque chose d'enfantin, mais simplement d'universel. Mais plus que jamais, c'est du côté des Français finalement que je trouve mon compte en termes de comédie avec notamment l'excellent diptyque, qui va peut-être devenir une trilogie donc, autour du personnage de Hubert Bonisseur de la Batte qui reste un sommet de comédie entre les mains de Michel Hazanavicius. Pour moi, le Kerny d'Espion est l'un des films comiques que j'ai le plus regardé dans mon adolescence et encore aujourd'hui, je trouve qu'il s'agit d'une comédie, bien au-delà d'être bien écrite, qui résonne surtout comme un morceau de bravoure de la part du réalisateur français, souhaitant rendre hommage à toute une culture comique des années 60 française, tout en créant une œuvre parodique, mais surtout satirique, qui résonne comme l'un des plus beaux exemples de pastiche du cinéma français. Encore aujourd'hui, à mes yeux, cela reste l'une des comédies devant lesquelles je me suis le plus amusé et que je ne cesse de regarder comme l'un des objets les plus hilarants et les plus jouissifs que j'ai eu l'occasion de voir au sein d'une salle de cinéma. Je reste évidemment sur ce fait que j'ai évoqué avant, que la comédie prend plusieurs formes. Mais elle a un point que beaucoup d'autres genres n'ont pas. Elle sait s'adapter au spectateur. De la parodie, du pastiche, du dialogue, du genre, des personnages, ce qui fait l'essence du cinéma fait l'essence de la comédie. Parce que le propre de la comédie est de jouer avec le cinéma, et donc en un sens, de réussir à faire rire en laissant le choix au spectateur de prendre conscience qu'il se moque d'un groupe de personnages ou qu'il se laisse entraîner par un ensemble d'outils simples mais qui marchent. La comédie est simplement l'art au sein du cinéma qui nous fait le plus admettre que nous sommes spectateurs d'une représentation comique de l'humanité, mais surtout que cela fait du bien finalement, de se dire que le monde, malgré ses défauts et ses erreurs, mérite tout de même d'au moins nous amuser, avant de nous laisser dans la merde et le désarroi. C'est cela la comédie finalement. Prendre conscience que c'est la fin, soit de la séance, soit de notre vie, soit tout simplement d'un petit bout de chemin, mais savoir en rire avec une bonne blague à la fin, qui fait que on ressort de la salle avec les zygomatiques un peu fatigués. Ha ha ha.